Promis, chose due, aujourd'hui je vous invite à visiter l'intérieur d'Aiwa. Cette vidéo fait suite à la présentation de l'extérieur. Allez, suivez-moi. Nous voilà donc à l'intérieur du carré, la pièce principale, la pièce de vie hein, du bateau, où on peut y constater un carré avec une banquette à bâbord, banquette à tribord, avec au milieu sa table. La table encercle le pied de mât, qui est joliment décoré, et il est surtout métallique. Il n'est pas en bois comme on pourrait le croire. Il descend sous la table jusqu'à la quille. Donc nous avons là une première banquette entièrement équipée de rangements. On a des coffres derrière chaque coussin et du coffre évidemment sur toute la longueur de la banquette. Alors il y a juste cette partie ici qui est consacrée au ballon d'eau chaude. De quoi stocker les bouteilles et les maintenir en position pendant la navigation. Un haut-parleur. Un peu de déco avec spot, tableau, l'horloge, inclinomètre. Ici, puisque nous vivons à bord du bateau, nous avons installé une belle télé. Faut savoir qu'une télé écran plat de nos jours, ça consomme pas beaucoup d'électricité. Je suis en moyenne à 110, 120 watts. 145 maximum, suivant les images, la qualité des images. En gros, c'est 120 watts, en moyenne, c'est 120 watts. Au-dessus, eh bien, le baromètre, le thermomètre avec hygromètre, un autre projecteur. Ici, une station météo. Donc, sur ce côté tribord, une banquette en forme de L. Les trois équipées, donc qui sont quand même assez profondes, hein, puisqu'elles vont jusqu'au fond, jusqu'à la coque, quoi. Donc on imagine le rangement. Un bac ici dans lequel je stocke des bouquins. On peut voir sur cette image également ce dont j'avais parlé dans la vidéo de présentation extérieure. Ces tubes, ce sont les reprises des cadènes de haubans et de bas-haubans. Là, c'est le bas-haubans arrière, haubans centraux et bas-haubans avant. Se reprennent donc ici sur les varangues du bateau. Ce bateau est plutôt lumineux malgré l'apparence extérieure. On se dit tiens, il n'y a pas beaucoup d'ouverture et pourtant vous voyez, il est très très lumineux. On a ces deux hublots, même trois avec la table à cartes là-bas au niveau de la mer. Deux hublots, trois hublots supérieurs et un hublot en plafond de chaque côté, hein, donc c'est symétrique. Finalement, ça en fait un bateau très lumineux. Au sol, ces planchers sont vissés sous celui-ci. Et sous les deux autres, donc celui-ci et de l'autre côté du pied de mât, on y trouve deux cuves d'eau douce. Donc deux cuves de 300 litres chacune, quoi, à peu près pour 600 litres d'eau total. Sous l'escalier, ainsi que celui-ci qui lui peut s'ouvrir à la main, nous y trouvons le réservoir de gasoil pour 350 litres. Là, l'escalier de la descente. Là, j'ai la commande de démarrage du groupe électrogène. Et puis là, je stocke ma télécommande de pilote et ma télécommande de guindeau et de propulseur d'étrave, extincteur ici et un autre extincteur côté cuisine. Ensuite, nous y trouvons le bloc cuisine, donc qui est une cuisine en forme de U, chose qui nous a beaucoup, beaucoup séduit, puisqu'on peut se positionner au centre. On a ici une sangle pour se maintenir en navigation. On peut crocheter ici et du coup on se retrouve bloqué à l'intérieur de la sangle et on peut travailler librement de évier, cuisinière et de l'autre côté. Donc une gazinière avec four de feu. Ici à droite le réfrigérateur, forme coffre, volumineux.
un évier, deux bacs, deux robinets. Ça, bah, évidemment, c'est un robinet électrique, hein, eau chaude, eau froide. Celui-là, c'est un robinet manuel. Vous voyez, il ne donne rien parce qu'il est raccordé à une pompe à pied qui permet d'avoir de l'eau à pied sans utiliser d'électricité. Ici, nous avons un autre coffre, de la même taille que le frigo, même plus grand, parce que du coup, il n'est pas isolé, il n'est pas équipé, dont nous servons comme garde-manger. Alors là, il est plein. Il est extrêmement profond, hein, il descend à hauteur du fond du four, à peu près ici. Donc, vous voyez, ça fait une belle hauteur de garde-manger. Avec un petit système de sort que j'ai installé. Tiroir, un couvert, un rangement vaisselle, très grand. Encore un rangement sous la gazinière, un rangement sous l'évier. Et ici, une poubelle classique. Trois équipés de rangement également ici. Donc voilà, il y a quand même de quoi ranger. Et deux équipés ici. Côté table à cartes, relativement spacieuse, j'ai du rangement ici, une porte de rangement également sous la table à cartes, c'est le même, hein, ça me permet un double accès. Sous la banquette, évidemment, c'est un coffre. Sous la table à cartes, on y trouve ici une grande équipée qui me permet d'y stocker le minimum d'outils nécessaires et indispensables à tout instant. Le tableau électrique, donc d'origine, hein, qu'on teste, certains ici sont avec interrupteur, plus disjoncteur, et d'autres sont des disjoncteurs ici sans interrupteur. En haut, quelques jauges, jauge d'eau courante, jauge de gasoil, jauge électrique et compteur horaire du moteur. Ici, un moniteur de gestion d'énergie Victron. Ici, la commande du convertisseur 12220. Ici, la commande de chauffage Webasto. J'ai installé un chargeur pour charger bah, téléphone, tablette, tout ce qu'on a besoin de charger en USB. Ensuite, ici, bah, j'ai la commande de fonctionnement de l'éolienne, un autoradio, un petit rangement dans lequel, à l'époque, quand on a acheté le bateau, il y avait un répéteur de traceur. Et le tableau central de la table à cartes, sur lequel on trouve donc un afficheur multifonction Raymarine I70, une VHF ICOM, baromètre électronique et ici une série d'interrupteurs que j'ai rajouté pour commander justement tout ce qui est du domaine du confort et qui pouvait pas rentrer sur le tableau principal. Donc je peux commander ici les instruments de navigation, le pilote automatique, la VHF, l'AIS, la station, le baromètre. Ici je peux allumer et éteindre la radio, la télé, le wifi et un ordinateur de bord que j'ai également à l'intérieur de la table à cartes. Et celui-là il est libre. Au-dessus, il y a une tablette sur laquelle, quand on a acheté le bateau, il y avait un radar, un vieux radar à tube cathodique énorme qui prenait toute la hauteur. Donc ça, j'ai viré quand j'ai modernisé l'électronique, il nous sert de rangement. Donc, j'ai pu y installer la balise. Ici, le boîtier blanc, c'est l'antenne d'émission-réception 4G intérieure de mon réseau. Et là, j'ai un petit peu de rangement, bien sûr, et une box 4G avec une carte SIM. Donc ici, dans la coursive, on voit d'abord une première penderie. C'est une penderie hein, classique, sauf que je l'ai allé ventiler tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a l'électronique et les batteries. Les batteries de bord sont sous ce plancher-là. Donc là-dessous, j'ai trois batteries de service et une batterie moteur. Et là, derrière, on voit le convertisseur Saint-Victron 12220, le chargeur de quai, un répartiteur de charge que j'ai installé l'année dernière. C'est un répartiteur à deux entrées et trois sorties. Ça répartit la charge sur la batterie moteur, batterie service et batterie de propulseur d'étrave. Les coupes-circuits généraux, fusibles. Chargeur de quai, je crois. Non, chargeur de batterie de quai. Et ici, donc, toute l'électronique.
qui arrive sur ce panneau-là. Donc récepteur de la télécommande de pilote, le convertisseur ITC5, la IS, contrôleur de charge de l'éolienne, le calculateur du pilote automatique et l'amplificateur 4G. Là-haut, il y a une antenne GPS, alors exclusivement dédiée à l'AIS, elle ne sert qu'à lui. Et puis au-dessus, le petit point noir, là, c'est une autre antenne GPS qui, elle, est connectée à la VHF. Voilà donc pour la présentation de ce local technique. On va donc pouvoir continuer en direction de la cabine arrière. De cette coursive, on a également accès au compartiment moteur, comme je dis de temps en temps, à la salle des machines. Donc double accès, hein, il y a deux portes ici. Il y a également une porte côté cuisine, sous l'escalier. Donc un Volvo MD31A, 68 chevaux. Plutôt accessible. Ce côté-là, ça va, on n'a pas à se plaindre. Et donc on y a accès également, donc comme je le disais, soit par ici. Donc là, la petite trappe, ça c'est une trappe qui donne sous l'échelle qu'il faut enlever quand on veut intervenir. Et on a également ici, là-bas, une trappe d'accès qui donne du côté sous le meuble où il y a la vaisselle dans la cuisine. Ici, il y a une petite marche. Et une autre petite marche, c'est pour compenser la perte de hauteur sous plafond qu'on a ici. Donc, ce qu'on perd ici, on le regagne par ces deux petites marches. Et ici, moi, je tiens debout. Il y a tout juste 1,80 m de hauteur de passage. Donc, on a cette petite marche aussi qui va nous ramener dans une cabine arrière dont le plafond est plus haut que celui de la coursive. On a ici une cabine arrière avec un lit de place de 2 mètres de long par 120 ou 130 de large. Donc on dort tête ici, les pieds là-bas sous le meuble et on a vraiment de la place, on est vraiment à l'aise. Hauteur sous plafond, il n'y a pas de problème, il y a 2 mètres. Oui, il y a 2 mètres. On a ici une penderie, à droite le cabinet de toilette qu'on va aller voir ensuite, lumineuse. Deux équipés de ce côté-là, un hublot, une petite niche. Petite explication pour ces niches. En fait, sur cette partie ici, toute cette partie-là, ça correspond au petit coffre arrière bâbord dont je parlais dans la vidéo de présentation extérieure. La hauteur du coffre s'arrête ici, ce qui nous permet d'avoir en dessous un autre espace de rangement avec une cloison au fond qui donne en direction de la coque hein, à l'arrière où on trouvera la chaudière Webasto et puis le fond coque où est fixé les marches de la plateforme. Ici par contre de ce côté là c'est fermé parce que cette partie là du coffre correspond à la zone où il y a les pare-battages et les bouteilles de gaz. De ce côté-là, il y a trois équipés. Donc on a trois équipés d'un côté, côté tête de lit, et deux équipés de l'autre. Sous le lit, on a un rangement également. Alors, ça nous sert de rangement à chaussures. On y a mis un extincteur, toutes nos chaussures de navigation et autres. Normalement, il y a un plancher qui vient se poser là-dessus. On l'a enlevé justement pour récupérer tout le volume. Sous ce coussin, se trouve un coffre qui fait toute la longueur du lit, donc qui n'est pas très très accessible, dans lequel il y a beaucoup de volume. Et sous le lit, on a également l'accès à tout ce qui est mécanisme de gouvernail. Tout le gouvernail est en dessous. On a encore beaucoup de rangements, donc deux équipées basses, forcément volumineuses, hein, puisque on va jusqu'à la coque, voilà, ici. Une ici, une là-bas, deux équipées hautes. Donc pareil, hein, la place, on a vraiment de quoi ranger, c'est pas ce qui manque. À
Franchement, on manque pas du tout de rangement. Un grand hublot avec système d'occultation. Et également moustiquaire pour les régions où il y a des moustiques. Ensuite, cette cabine arrière donne dans un cabinet de toilette privatif, avec donc lavabo et rangement en dessous et au-dessus, plus tablette au-dessus, le WC classique hein, sur un bateau, le petit caillebotis qu'on voit en arrière-plan du WC se rabat pour pouvoir s'asseoir pour prendre une douche en position assise, une fenêtre ici, une autre côté cockpit, du rangement ici pour madame, petit gadget, le savon suspendu. Voilà pour la cabine arrière. Allons voir maintenant la cabine avant. Une cabine, deux places, avec un cabinet de toilette privatif également à droite. Donc c'est une cabine également spacieuse, c'est une belle pointe, alors modulable, soit deux places individuelles, une de ce côté-là et une de ce côté-là, avec une assise ici au milieu. Cette assise, elle peut venir se poser là-dessus, faire tout le tour pour mettre à niveau et faire un grand lit à ce moment-là. Soit on fait comme ça, donc on a deux personnes qui dorment chacune de leur côté, soit on met le triangle au milieu et du coup ça fait un plus grand lit. Cette planche évidemment se rabat sous le matelas et puis du coup ça fait une belle place. J'ai enlevé le triangle, on voit ce qu'il y a dessous, donc on a le rangement également de chaque côté. Le propulseur d'étrave qui est ici avec sa batterie dédiée là-bas derrière. Une penderie. Une penderie ici dans laquelle on stocke toutes les vestes de quart. Une autre penderie en haut. Une autre petite penderie en bas. Ici, la bouche de chauffage. Cabinet de toilette privatif. Un robinet douchette. Les deux portes qui sont là, c'est pas du rangement, mais c'est une cuve à eau noire qui a dû être installée par le propriétaire précédent. Ça, on est en conformité avec la législation dans certains pays. Du rangement là-haut. Ici, il y a des portes-serviettes que j'ai remplies avec mes gilets de sauvetage, les sangles, la rallonge électrique, enfin voilà quoi. J'ai mis une tringle à rideau là-haut qui permet d'y suspendre les vestes de car, les cirés, tous les vêtements de pluie quand il a beaucoup plu. Ainsi se termine la présentation de notre bateau Eiwa. Donc certains diront qu'un bateau comme celui-là, vu son poids, vu la quantité de rangement qu'il y a, vu la menuiserie en bois qui est très lourde, certains pourront dire bah, c'est un bateau qui est quand même très caravane flottante. Est-ce qu'il marche bien? Là est la question, est-ce que c'est un bateau marin? Bien écoutez, je vais vous dire oui. C'est un bateau qui fonctionne très très bien, on en est très 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 content. Très bonne habitabilité, très bon comportement sur l'eau, vitesse rapidement atteinte. Pour vous en convaincre, je vous invite tout simplement à regarder différentes vidéos de nos sorties en mer avec ce bateau et vous comprendrez que c'est un bateau qui fonctionne très bien, c'est un bateau très performant. Voilà, ainsi se termine la présentation de Eiwa. Si ces vidéos vous ont intéressé, eh bien écoutez, faites un petit like, un petit pouce et puis abonnez-vous aussi. Bon, je le fais rarement, mais allez, soyons fous, abonnez-vous, un petit like et ça fera toujours très plaisir. Allez, à bientôt !